Cécile, cette jeune graphiste de 29 ans, est prête à changer radicalement de look. Cette semaine, c'est l'actrice anglaise Kerry Mulligan, qui n'est autre que l'ex de Shia LaBeouf, qui est mise à l'honneur. Je trouve que c'est une actrice qui a un air assez frais, jeune, et voilà, je voulais un peu changer mon apparence et donc avoir les cheveux un peu plus courts. Point de vue maquillage, moi en général je me maquille très peu, je mets juste un peu de rimmel et un peu de crayon. Moi il faut que ça reste naturel, par contre je suis pas contre de noircir un petit peu plus que d'habitude. Cécile se déplace souvent en scooter, pas franchement pratique de rester glamour après avoir porté le casque obligatoire. Bruno, le coiffeur, pose son diagnostic. Je dirais qu'elle a un cheveu assez fin qui n'est pas mise en volume pour l'instant, je crois que c'est son problème, son souci. En plus, elle porte un casque, donc elle n'a pas beaucoup d'avantages dans sa coiffure actuelle. Donc on va essayer de dynamiser avec une coupe un peu plus peps à la fin. Après la coupe plus dynamique, il ne manque plus qu'un détail, mais qui a son importance. Notre modèle de la semaine se plaint de ses cernes trop marquées. Notre experte make-up a la solution. Elle a un teint que j'aimerais accentuer, plutôt dans les tons clairs. Et puis, il faut un petit peu faire attention au niveau des cernes et donc attirer le regard vers la partie supérieure de l'œil. Cécile, dites adieu à vos cheveux raplapla, à vous la fraîcheur de la coupe de Kerry Mulligan. Bruno se charge de tout. On va dégrader l'ensemble de la coiffure, donc là sur les côtés tout ça va tomber, la nuque sera plus courte. Nous, on joue avec toutes des petites mèches effilées. La jeune femme a un cheveu fin qui tombe vite à plat. Une coupe plus courte va apporter du volume. Mais comment faire pour garder un côté naturel? Donc en fait, ici, je coupe avec un rasoir. Ça s'appelle un fiseur, en fait. Et je coupe avec ça parce que comme tu as un cheveu fin, ça permet d'avoir tout de suite des mèches qui soient beaucoup plus affinées sur les longueurs. Donc ici, on va se rapprocher le plus rapidement possible du naturel. Le carré de la jolie actrice Kerry Mulligan, dont s'inspire Cécile, est ultra féminin. Pour garder un effet de mouvement dans la coiffure, chaque coup de ciseau est important. Ça, c'est ce qui va donner les mèches de longueurs différentes. Donc quand elle va les sécher la tête en bas, c'est ça qui va donner tous des petits mouvements dans les cheveux. Cécile ose en abandonnant ses cheveux mi-longs et elle fait le bon choix. Se déplaçant régulièrement en scooter, elle porte donc un casque qui a tendance à aplatir sa coiffure. Une coupe plus courte lui permet de garder du volume, mais attention, ça s'entretient. Alors logiquement, une coupe comme celle-ci, tu vas devoir l'entretenir toutes les 6 à 8 semaines. Parce que les volumes sont donnés pour une forme comme celle-ci. Dès que les volumes retomberont, tu vas voir que ça va avoir tendance aussi à attrister. Vous voilà prévenus, mais la coupe, ce n'est pas tout. Il faut encore raviver la couleur et surtout écouter les bons conseils de notre expert pour la mise en place de cette nouvelle coiffure. Voilà, donc ici j'ai appliqué le bain de lumière, hein. Donc pas d'oxydant, juste quelques pigments qui vont apporter beaucoup de brillance, d'accord? Okay. Ça pose pas, ça pose 2-3 minutes, là le temps de malaxer, et on rince tout de suite. Ce produit ravive les reflets naturels, réveille les mèches et intensifie la teinte des cheveux entre deux colorations. Avant de passer au séchage et à la mise en place, Bruno a une astuce. Donc voilà, maintenant on va passer au coiffage, donc on va te mettre un peu de constructeur sur l'ensemble, c'est un produit qui réagit tout le temps à la chaleur. Donc même demain matin, tu pourras les sécher sans remettre de produit si tu veux, et le cheveu va encore réagir. Si vous avez les cheveux courts comme Cécile, pendant le séchage, pensez à bien décoller les racines. Cela apportera du volume à la coiffure, et n'hésitez pas à les sécher tête en bas. Ah donc, une fois qu'on a tout séché, on a développé les volumes, tu peux reprendre le même produit, et on va le réappliquer un peu partout. Pourquoi? Parce que ça va réhumidifier légèrement ton cheveu et ça va en fait définir les mèches. La coiffure est maintenant mise en place, mais voilà, Cécile se déplace en scooter. Elle porte donc régulièrement un casque, ce qui aplatit ses cheveux. Pas de problème, Bruno a la solution. Si tu as ton casque, tes cheveux sont... tu as un pli ou tu as quelque chose dedans, hop, tu repasses comme ça la tête en bas, tu vois, tu fais avec la tête en bas. Ouais. Et tu vas avoir... En fait, ça va se redonner tout seul. Adieu cheveux raplapla, un air de fraîcheur souffle sur cette nouvelle coupe. Et pour se rapprocher encore un peu plus de la star Kerry Mulligan, notre experte en make-up prend la suite des opérations. C'est très important de mettre une crème hydratante avant de se maquiller. Ça forme une base protectrice en fait pour le fond de teint. La règle à retenir, c'est avant tout une peau bien hydratée. Ensuite, Avital va unifier le teint.
Pour cela, elle a une technique bien à elle. En travaillant avec des couleurs plus foncées, avec une couleur plus foncée et une autre plus claire, ben, je peux jouer sur le relief du visage. Le problème de Cécile, ce sont des cernes trop marquées. Pour estomper celle-ci, le truc, c'est de miser à fond sur le maquillage des yeux. Et ici aussi, n'oubliez pas cette étape. Toujours important de mettre une base avant de mettre les ombres à paupières, parce que si tu mets les ombres à paupières directement sur la paupière, ça tient pas. Avital choisit de mettre les yeux de notre modèle en valeur avec un léger smokey eyes. Cécile n'a pas l'habitude de se maquiller, il ne faut pas s'éloigner de sa personnalité. Et avant de passer à la touche finale avec le blush, poudrez le teint. Si tu mets le rouge à joues directement sur le fond de teint, tu vas faire une tache en fait. Mmh. Donc c'est obligatoire, quand tu as mis le fond de teint, qui est humide, par-dessus, tu dois poudrer pour pouvoir mettre quelque chose de sec, donc le blush. Voilà Cécile, vous n'avez plus rien à envier à la star Carey Mulligan. Verdict ? Le micro va complètement changer. Pas spécialement par rapport à la coiffure, mais plus par rapport au maquillage. C'est vrai que ça m'arrive jamais de me maquiller à ce point-là. Ce genre de coupe qui a l'air un peu compliqué à coiffer, finalement, on se coiffe très facilement. Je pense que j'arriverai à le faire toute seule. Je suis très contente et très contente de l'expérience. Je trouve ça très amusant. Et voilà, à faire.